Eh bien, salut à tous. Salut tout le monde. On se retrouve encore une fois avec Moustache. Oui. Pour une nouvelle vidéo. Oui, une nouvelle vidéo qui va concerner quoi, du coup? Cette fois-ci, on va faire un unboxing, les gars. Mais un unboxing spécial. Parce que ça concerne du matériel gamer. Alors, ça se concerne précisément deux PC portables récents. Ils sont de cette année. Et du coup, on précise que du coup, cette config, c'est la toute nouvelle configuration. Parce que de base, ni moi, ni Tom n'avons de PC pour jouer. Là, on va vraiment pouvoir jouer aux derniers jeux du moment, mais vraiment les tout derniers, même ceux qui vont sortir. Jusqu'ici, on n'avait même pas idée de à quoi ça pouvait ressembler les shaders. Maintenant, voilà. On va pouvoir avoir le ray tracing sur tous nos jeux. Voilà. Et franchement, ça va faire grave plaisir. Et du coup, ça pourra nous permettre de faire des vidéos de meilleure qualité, forcément. Et plus les streams, s'il faut. Oui, peut-être les streams. Alors, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il... Pour l'instant, on n'est pas sûr. On n'est pas on sûr. On va tester. On reviendra vers vous plus tard. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, déjà, pour commencer, ça, c'est pas du gamer, hein. C'est pas du gaming. C'est un clavier de dépannage. C'est un clavier, voilà, parce que j'en ai pas. J'ai oublié d'en acheter un, parce que je suis un peu nul. Donc, un clavier nul, classique, mais voilà. Qui peut dépanner en attendant. Ensuite, donc pour mon PC, donc c'est un refroidisseur avec ventilateur, voilà. Double ventilateur avec RGB intégré de la marque SOG. Pour faire un peu les cliquets des sables. Voilà, parce que ça fait de lumière et du coup nous on aime bien les lumières. Parce que du coup, j'en ai profité puisque comme vous voyez marqué moins 30%, j'en ai profité. Voilà, c'est en réduc. Voilà. Ensuite, là-dedans. Donc, ensuite, donc là en premier lieu, donc pour l'instant nous avons mon PC à moi, donc le Dell. Qui a donc comme composition un i7, la carte graphique c'est une 3080 RTX, donc là c'est la toute dernière quoi, il y a pas mieux. Ah ouais, c'est... Il n'y a pas mieux. Le ray tracing à fond. RAM, non, la RAM il est 16 Go de... Non, oui, 16 Go de mémoire, SSD 512 Go. Pour le modèle exact, pour ceux qui veulent, c'est le G515. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais... Parce que c'est précisément, c'est le 5510. Voilà, pour y en mettre 0, on sait pas. Logiciel, donc Windows 10 bon, Family. Avec écran Full HD, tout ça, bon bref. 144 Hz en ce qui me concerne, je crois. Et moi pareil. Je crois que c'est pareil aussi. Ensuite, le tien. Voilà, on a un magnifique Acer Nitro 5. Ça, c'est des machines qui vont nous tenir longtemps. Longtemps. Pas 40 ans, mais bien 10 ans. Je pense que dans 10 ans, bon, allez, on va dire 5 ans déjà. 5 ans, c'est la vitesse à laquelle ça va. Donc vas-y, dis-nous un petit peu ta configuration. Donc du coup, là-dedans, on a un Intel Core i5, plus 8 Go de RAM. On a une carte graphique, c'est une 3050 RTX aussi. Donc du coup, on va aussi avoir les shaders, magnifique. Pareil, un écran Full HD 144 Hz. Et je tourne du coup sur Windows 10 moi aussi. C'est pas Windows 11, mais il y a... Bon, le mettre. Clairement, la puissance de la machine peut le faire tourner selon Windows, selon Microsoft. On le fera, mais plus tard. Voilà, avec tout ceci, du coup, on va passer du coup à la phase ouverture. C'est un bout de celle qui vous intéresse le plus. Le plus, oui, parce que là, en l'occurrence, on a un peu plus... Non, mais c'était le principe. Du coup, c'était pour le watch time. Donc, restez, on va ouvrir ça tout de suite. Ici, donc, on va procéder donc à l'ouverture du clavier. Alors, c'est un clavier qu'on avait déjà depuis un moment. Voilà, il est neuf, mais on va pas vous dire, voilà, c'est pas ouf, quoi. On s'en fiche, c'est un clavier comme ça, donc... Mais ça dépanne. Voilà. Un beau clavier tout neuf. Voilà, un beau clavier tout neuf qui est, je crois, semi-mécanique chez Marmon. C'est un semi-mécanique. Ouais, c'est un semi-mécanique. Voilà. On entend quasiment rien quand on l'utilise. Mais voilà. Par contre, c'est quand on doit taper rapidement pour les jeux, c'est pas forcément super. C'est pas forcément ouf. Ça, c'est le clavier. Ensuite... Maintenant, le ventigrade, ça s'appelle un ventigrade. C'est pas un couteau. Non, il faut un couteau, il y a deux trucs là. Ah, et oui, il n'est pas ouvert, je précise que on a attendu pour vous l'ouvrir vraiment à ASMR. Ah. Là, c'est... Ah, c'est pas un ASMR. Ah ben non, je peux pas parce que du coup, j'ai pas le micro. Bon, tant pis. Si, ça s'entend. Faites attention les enfants, ne manipulez pas d'armes. Carrément. Donc du coup, on voit bien qu'il est bien emballé quand même, hein. Il est vraiment protégé, vraiment, la marque a vraiment fait quelque chose de bien quoi. Ils ont même mis les même les stickers. Tu peux avoir un multiplicateur. Oui, mais c'est le cas. Donc faut savoir que voilà, il est donc ici, c'est de l'aluminium, pas du plastique. Voilà, le plastique là ici, ça s'en est, tout ça s'en est. Mais ici,
C'est vraiment de l'aluminium avec un petit écran, voilà exactement. Donc tu peux régler les couleurs, tu peux régler la température, tout voilà. est ici. Tout est et ici. Du coup, comme tu prends une prise pour le brancher directement à ton PC, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il t'en donne deux. Là, ici, il me semble qu'il y a même un petit support que tu peux mettre ici. Non, il est, si, il est ici. Voilà. Voilà. Et un petit support caché à l'arrière que tu peux mettre directement ici dans les fentes. Et ça permet, voilà. Et ça permet de bloquer son PC pour éviter qu'il glisse trop. Moi, je l'utilise pas trop, mais il y est. Voilà. Ça fait plaisir. Et en plus, tu peux le ranger à l'arrière, ça se voit pas, c'est tranquille. Donc ça, c'est tout fin. Vraiment tout fin. Et ici, du coup, t'as les supports. Supports que tu peux régler. Voilà. C'est les pieds. C'est voilà. Les pieds, pour régler l'inclinaison, en fait. Pour éviter de vraiment incliner l'écran du PC à bord. En plus, ça pèse rien du tout. Non, ça pèse rien du tout. Puis ça a l'air qualitatif quand même en soi. Maintenant, ensuite, le gros de l'ouverture. Je vous laisse déballer du tout ton PC. Voilà, donc je vais vous déballer ma configuration à moi. Après, on va passer à la sienne. Non, j'ai pas besoin. La petite souris. Alors, ils me l'ont offert avec. Hein, de base, il faut. C'est une Acer d'ailleurs. Donc, cadre d'alimentation européen. Une entreprise française. Hein. La base, voilà. Ensuite, le. Alors, le transco. Moi personnellement, l'alimentation, c'est la première que j'ai aussi grosse. Là, on voit peut-être pas à la caméra, mais par rapport à ma main, il est vraiment énorme. Genre, moi j'ai des mains gigantesques, les gars, regardez. Il est énorme, ouais. Je sais pas, on vous donnera la puissance, mais on va vous donner vite fait la puissance. Il est aussi grand que ma tête. Voilà, exactement. On va vous donner la puissance. Il fait 240 watts. 240 watts de puissance et il envoie 35 ampères en 19,5 volts. Donc autant vous dire que. Il envoie du pâté. Et du coup, l'ordinateur, évidemment, ça va me saouler. Voilà. Voilà. Il n'y a rien d'autre pour le. À part là. Bon, la notice. Ouais, il y a la notice, les garanties, bon, les trucs qu'on lit jamais, hein, on est d'accord. Ouais, il faut garder toujours précieusement. Il faut toujours les garder précieusement, c'est clair. Attends, on va tout faire son. Allez, c'est merde. Voilà, donc c'est un 15 pouces, donc de chez Dell. Je savais même pas que Dell faisait des PC gamer de base. En plus, il paye pas de mine comme ça, mais non. Franchement, on dirait un ordinateur bureautique. Sauf que lui, à la différence des ordinateurs bureautiques, il a un petit G ici qui dit que c'est un ordinateur de gamer. Voilà. Le G qui trahit. Le petit G rouge là. Voilà, le tout petit G qui dit ah, gamer. Ah, tu vois le gros Jackie là, avec les RGB voilà. Partout. Ah, l'écran, alors hop, voilà. Donc un écran. Voilà. D'ailleurs, il est allumé. Ah, bah, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ma configuration à moi. Ensuite, ah, il prend son temps, il est tellement... Parce que toi aussi, t'as une alimentation énorme. Forcément, c'est du gaming, donc elle ça consomme. Dans une petite boîte elle-même. Ah, mais en fait, elle est moins grosse que la tienne. Hein. Oui, parce que ton. Et moi, ils m'ont même filé des circlettes avec. Ça, c'est parce que toi, c'est parce qu'il est plus récent que moi. Enfin, un poil. J'ai même des vis en plus. Oui. Donc. Qui est un câble européen. Là, ici, le circlet, les petites vis que je sais pas pourquoi. Boîte très jolie, moi, j'aime bien, le noir sobre. Ça me permet de faire des propre. Voilà, exactement. Et là, c'est l'installant que. Que tu attends depuis... Que j'attendions tous. Voilà. Donc, pareil, la notice. Avec un truc qui est carrément plastifié, s'il vous plaît. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Déjà, t'as des autocollants, déjà. Wow. Voilà, des très très beaux autocollants. Du coup, ouais, c'est pas vous qui l'avez acheté, non, mais... N'inquiétez pas, je l'utiliserai au maximum de son potentiel sans pour autant l'abîmer. Attention, le grand reveal. Acer, voilà. Wow. Méga propre. Acer, ils font des beaux produits, hein, faut le savoir. Hein. C'est exactement le même que j'avais, mais en 15 pouces, mais par contre avec une configuration largement supérieure à ce que j'avais moi. Ou à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Protection de l'écran, bon ça c'est normal. Voilà. Voilà, bon, avec les petites notices, etc. Voilà. Voilà. Lui, c'est marqué 144 Hz. Moi, c'est pas marqué parce qu'ils ont dû l'enlever. Non, il a pas de batterie sur lui.
Vas-y, on va les mettre à charger, on va faire les installations, et puis... Bref, il y a du gros lourd qui arrive, du gros contenu qui arrive sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo, machin truc, voilà, vous connaissez la suite. Sur ce, c'était Lady. Et une moustache. À la prochaine. Ciao.